Guy 18. Salut à toutes et à tous, c'est Cobra Guru, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans Ancestors Legacy. Alors, plusieurs points, dont le premier qui est un point très négatif, pour moi, du moins. J'ai pas pu enregistrer la semaine dernière la vidéo, puisque j'ai pas pu la sortir, la suite de cette campagne d'Edouard le Confesseur. Et les développeurs ont eu la brillante idée de nous sortir un patch. Un patch qui n'a absolument rien apporté au jeu, simplement le fait d'être compatible GOG. C'est-à-dire que lorsque vous jouez dans la version Steam, vous allez pouvoir jouer en multijoueur avec des joueurs GOG. C'est très bien en soi, sauf qu'ils m'ont fusillé ma sauvegarde. Et alors là, je suis vraiment pas content, ça veut dire que je viens de passer 20 minutes, je crois, à rejouer l'intégralité de la première partie, alors que j'avais sauvegardé, comme d'habitude. Donc ça, c'était le premier point négatif. Je ne comprends pas des développeurs qui se permettent ce genre de choses. Ils ne pensent pas aux leurs joueurs, en fait. Bon. Deuxième point, je vous ai dit qu'Ancestors Legacy était un super jeu, mais difficile. Même au niveau normal. La gestion de la stratégie du jeu est énorme. Ça fait X fois que je recommence cette partie. Alors, nonobstant le fait que là, je suis obligé de la recommencer avec vous, mais j'avais pas enregistré mes précédentes parties, j'ai tout perdu à chaque fois parce que les vagues ennemies arrivent non-stop et que je suis obligé d'utiliser l'un des deux héros pour capturer le village. Et c'est la galère. Vous allez comprendre de suite. Alors, la première chose que je fais, c'est que je l'envoie lui parce que j'ai pas le choix. Ensuite. Et ce qui me gonfle le plus aussi, c'est que... Alors, on va faire 2 ici, 1 là, 3 là. Et lui, 4. Effectivement, mais bon, il se bat contre les archers, ça devrait pas poser vraiment de problème. Alors... Oui, il me faut des ressources pour commencer à construire. Bon, il sera blessé, mais c'est pas grave. Il me faut créer des maisons. Bon, ça va, les berserkers, le problème c'est que c'est du scarab. On n'est plus chez les vikings. Ils ont pas de défense. Ça y est. Ah ouais, alors tout seul pour capturer le... Ça va pas être la joie. Allez, vite. On les met. Donc j'ai pu, dans cette première zone, monter mes lanciers au niveau 3. Et je les laisse en mur de lance. Parce que ça les... C'est pas mal au niveau de la protection. Voilà, bon. Déjà, c'est pas mal. On va essayer de défendre, hein, on n'a pas le choix. Lui qui est en galère pour défendre. Je peux pas mettre une compagnie, vous comprenez bien. Pour l'instant, le peu de bois que je peux récupérer, je fais des maisons parce que je vais dès que je peux là. Alors qu'est-ce qu'on a là? Des archers, bien évidemment. Où est qui c'est qui me fait les frondeurs? La caserne?
the enemy. Landed up there. Get ready. Ah, c'est l'archerie. Alors, il y a une chose que j'ai... Pourquoi j'ai gardé Eustache ? Parce que Eustache, il a le skill terreur. Pas de la joie. Alors, je suis obligé de faire un... Je peux faire que des fondeurs pour le moment. Merde. Ça y est, tu as fini ? Oh là 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 là. Alors on a une sorte de... C'est pas une pause, mais c'est... Vous voyez, le jeu est au ralenti. Voilà, ça recommence, je vais tout perdre. Voilà, ça recommence. Quel calvaire. J'arrive pas à la passer cette mission, je comprends pas. Au niveau tactique, je comprends pas ce que je dois faire. J'ai pas de ressources, donc je ne peux rien faire. Lui, il a toujours pas capturé le village, donc on gagne pas de ressources tant que c'est pas fait. Oh, c'est un calvaire. Mais c'est une catastrophe. Regardez ça. Vu que j'ai pas de ressources, je peux pas recharger. Vous voyez ? J'ai rien. Y a personne qui vient parce que j'ai pas de ressources. Voilà, ça continue. J'aurais dû le faire avant ça. Je suis tellement perturbé, ça me perturbe tellement cette histoire, ce jeu qui est dingue. Alors,
je fais une. Regardez, j'ai fait. J'ai mis en place une tour d'archer. C'est hallucinant. C'est dingo ce jeu. Wow. Oh la vache. Oh mon dieu. Eh ben, mais, les amis, merci. Merci de regarder parce que grâce à vous, c'est la première fois que j'enregistre et que je le réussis. Eustace II and Gulberg demanded a judgment on the assailants, with retribution in mind. Edward the Confessor's decision was hasty, and he demanded chastisement. Putain, c'est violent, hein. Bon, vous savez, c'était comme ça à l'époque, hein. The punishment on the subject can only be followed by their liege. And in this case, that happened to be me. I refused to reciprocate, telling the king that they were in their rights to defend their families against Eustace's pitiful behavior. Of course, in my speech, I omitted the information that the attack was executed on my command. His decision undermined, Edward's only choice was to face his strongest lord. That is me, Godwin of Kent. To do so, he had to gather many more forces than he already had. Le moustachu. Les contes mineurs. Pour se mesurer à Godwin, comte de Kent, il fallait à Edward beaucoup plus d'hommes. Siward et Leofric, deux comtes de moindre envergure que Godwin, étaient les seuls à pouvoir peser sur ses chances de victoire, si seulement il pouvait les convaincre de s'allier à lui. Here we are. These lands belong to lesser earls, Siward and Leofric. We must make sure they're on our side. C'est pas avec ton comportement, hein. They might, but they are selfish. It must be in their interest. Ouais, ben c'est surtout si tu étais pas aussi con. Parce qu'il est con quand même, hein, le mec. Voilà, donc nous on. Et ils ont des chevaux, hein. On gère Wilbur. Watch out! Enemies! The hell with Edward! The enemies! Oh la vache! Mais comment ils font pour tirer d'aussi loin, vous êtes fous? Lancer des haches, il est pénible. Et je croyais qu'il devait plus nous tirer dessus. Et allez. Les lanciers sont bons, mais au niveau 1, ils sont pitoyables. Je trouve que cette vue est dommage parce que ils auraient dû la faire beaucoup mieux. Putain, il a perdu tous ses cheveux, tous ses cavaliers, lui. Godwin has already spoiled these lands. The king needs to know about it. I will inform the king. But you need to carry on with our mission. We need support from Siward and Leofric. Convince them no matter what. And reclaim all villages taken by rebels. Voilà, donc il s'est barré.
Ah, ils avaient un village avec l'alarme, hein. Restez là, banane. Je l'envoie ici parce que... Ah non, je croyais que c'était un truc à récupérer. Il y a des loots des fois. Voilà. Bon. On a récupéré le village. Ça y est. Non. Voilà, tout le monde est là. Par où on y va? Eh ben, dites-moi. Ça tombe. Putain, il avance pas, lui, hein. Ta hache est si lourde que ça, Wilberg. Alors. Good job with the rebels. Come in. See what already awaits you. Est-ce que c'est un piège? Ou pas? Non, il est en vert. Mais bon, on sait jamais. Thank you for your help with those filthy rebels. I should have guessed. Whenever someone appears out of the blue and solves my problems, it's usually you, Wilberg. Very kind of you. Unfortunately, I didn't come here for flattery. The king needs you and your warriors, Seward. He needs me? Where was he when I needed him most? I sense also eons, but this is here and now. Come with me. I want to show you something. Je crains le piège. A few months ago, during harvest, some of my villagers became greedy and unthankful. They skipped their taxes. I had to deal with them the hard way. And then it all began. They started the uprising and killed many of my men. C'est la diplomatie qu'il faut utiliser. I heard that some individuals hang around my people and turned them against me. This way! Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils foutent le feu à une maison? I will let you use my barracks, and some of my archers will join you. But make sure you get rid of those rebels. They captured two of my villages, one up north, and another here. Kill them and destroy their settlements. Burn it to the ground. Also. We just got a delivery of Peterberry's best armors. You can use them. Ok, on a récupéré des armures. Ouais. Looks solid. It's tough to tear armors like these. Mais pourquoi j'ai... Ah, oh, merci. Il m'a donné des...
des compagnies de plus. Bon. Alors, par contre... J'essaye de dispatcher mes... Alors, soldat ou bouclier aguerri. Bon. Ouais, j'ai pas assez de bois encore. Ça devrait pouvoir monter un peu plus, mais... Vous voyez, il faut faire le tour quand même de la carte pour voir s'il n'y a pas des endroits où on peut récupérer des trucs intéressants. Voilà, donc eux, je les mets en deux. Voilà, 1, 2 et 3. Et... Alors. Écoutez, on en est à 20 minutes aujourd'hui. On a attaqué donc le chapitre 2. Vous voyez que il va y avoir du boulot. J'essaye de pas utiliser les archers en fait quand parce que sinon ça sert à rien. Il me désingue mes propres hommes. C'est idiot. Ah, vous avez vu, j'ai appel aux armes. Appuie vos unités ainsi que vos alliés proches au combat. C'est une compétence que je viens de récupérer. Par ici. Par la caserne. Voilà. Il me faut encore 10 de métal. Donc il va falloir que je trouve une mine de métal, une mine de fer. Allez, j'en arrête là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo d'Ancestors Legacy, la campagne Edouard le Confesseur. Et bien on va avoir encore pas mal de bastons. Prenez soin de vous, amusez-vous et jouez beaucoup. Salut, bye bye.